Salut, salut! Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode de l'atelier de création. Et cela fait maintenant 2 ans que j'ai sorti le tuto pour dessiner la tête de Monsieur Koro du manga Assassination Classroom en pixel art. Et aujourd'hui, j'ai décidé de dessiner de nouvelles têtes, puisqu'il change de tête en fonction de ses humeurs et des réponses de ses élèves. Et j'ai décidé donc de dessiner sa tête quand il est bronzé, avec des lunettes de soleil. Sa tête quand un élève donne une mauvaise réponse. Et donc ici il y aura du violet un peu clair et du violet un petit peu plus foncé. Là c'est pas les vraies couleurs qu'on retrouve dans l'animé. Et ensuite on aura Monsieur Koro amoureux. Pour commencer, nous allons dessiner le contour de la tête de Monsieur Koro ainsi que son chapeau et sa bouche puisqu'ils seront communs aux 3 têtes que l'on va dessiner. Et ensuite on va pouvoir passer aux autres étapes. Nous voici donc avec les 3 bases de la tête de Monsieur Koro et nous allons commencer avec la tête de Monsieur Koro amoureux. Ensuite, nous passerons à celle de Monsieur Koro mauvaise réponse et enfin, nous ferons Monsieur Koro bronzé avec ses lunettes en cœur. Et voilà, maintenant nous avons la tête de Monsieur Koro amoureux et juste à côté j'ai commencé la tête de Monsieur Koro quand un élève donne une mauvaise réponse. Donc j'ai dessiné les yeux qui sont en croix ainsi que la croix qui est affichée sur son visage. J'ai fait ça comme ça, vous pouvez retranscrire chez vous la croix si vous voulez le reproduire, comme ça on voit bien les délimitations case par case. Et maintenant nous allons dessiner la tête de Monsieur Koro. Continuer de colorier la tête de Monsieur Koro mauvaise réponse et on va ensuite passer à Monsieur Koro bronzé au soleil. Et voilà, j'ai enfin terminé du coup les 3 têtes de Monsieur Koro qui me manquaient. Par contre, j'ai un petit problème, c'est que certaines que j'avais fait avant et qui sont sur mon compte Instagram OMAIP, il y en a d'autres qui se sont décolorées un petit peu. Donc ici, le orange, il est un peu passé et même le deuxième orange du cercle est un peu passé. Ici, par exemple, j'ai le bleu aussi où la couleur a un peu passé. Et enfin, ici, j'ai les yeux de ce Monsieur Koro très en colère où la couleur aussi s'est un peu effacée. Donc je vais les retaper, on va dire que je vais les rénover en quelque sorte et puis je vous retrouve juste après pour la fin de la vidéo. Et voilà, cet épisode de l'atelier de création est maintenant terminé et je suis très content parce que je pense que j'ai fini ma collection de têtes de Monsieur Koro. J'en ai maintenant 10. Je vais découper ces 3 têtes qu'on a fait aujourd'hui hors caméra parce que c'est pas forcément nécessaire de le montrer. En tout cas, il y a des trucs marrants. Je trouve que Monsieur Koro bronzé ressemble un peu à un gâteau. Et je suis content des rénovations, on va dire, des 3 têtes de Monsieur Koro. Et je suis content de leur avoir redonné leur couleur. En tout cas, j'espère que cet épisode de l'atelier de création vous aura plu. Et on se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos. Je suis très content de ce que je vous prépare et j'ai très hâte de vous montrer tout ce qui arrive d'ici la fin de l'année. Et donc je vous dis salut à tous !